Aujourd'hui, une comédienne. Aujourd'hui, c'est maintenant. Qu'est-ce que j'ai mis mes affaires? Et la comédienne, ça veut dire. Ah oui, c'est ça. L'actrice. Oui, ça, elle a joué ça dans. Veut parler, là. Dans plusieurs séries des Invincibles 1 et 2. L'ange du goudron. Oui, j'ai pas bonne feuille, là. Nomination. C'est quoi sa nomination, oui. Vrac. Actrice de soutien. Oui. Catherine. Trudeau. Catherine Trudeau. Merci. Hey, Catherine Trudeau, bon, on est content, hein? C'est le fun. Salut. Ouais. Ça sent bon. Mais ça sent toujours bon. Ouais. Avec ta belle personnalité, là, tu considères-tu que toi, t'es comme un drôle de personnage? Dans la vie, oui, je pense que oui. La vie est rouge. Oui, oui, oui. C'est beau, j'aime ça, moi. Les couleurs, ça, c'est la vie, hein? Catherine Trudeau, qu'est-ce que vous avez auditionné puis que vous avez pas eu? Ouais. Oh. Tu sais, on peut bien des affaires. Mais... Ouais, oui, ben oui. Ben, je me garde une petite gêne pour ces, ces choses-là. Ben, c'est passé, là. Ouais, c'est passé. Non, mais c'est par respect pour l'actrice qui a eu les rôles, tu sais, aussi. Puis en fait, non, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si je n'ai pas eu les rôles pour lesquels j'ai auditionné, c'est que ça devait pas être moi qui allais les jouer. Je crois beaucoup à ça. Là. Toi, t'aimerais-tu ça te jouer? Non. Ben, s'il y avait un film là, sur ta vie, c'est qui te jouerait? Pis ça, hein? Sophie Cadieux, probablement. Ouais. Sophie Cadieux. Et qui d'autre? Il y en a pas jeune. Geneviève Néron. Okay. Oui. Tu aimerais pas ça, les jouer eux autres? Oui, ben oui. Ben, j'ose espérer que si on fait un film sur Sophie Cadieux, on va m'appeler pour la jouer, oui. Dans... la bouche sèche. Ouais, vous jouez pas des hommes, c'est-tu parce que vous voulez pas? Ah non, on m'en offre pas, c'est tout simplement. Quoi, ça? C'est drôle quand même. Ouais. Ben, il y a beaucoup d'hommes acteurs. Là, parce que les hommes jouent plus que les femmes. Les hommes jouent plus que les femmes. Oui, les hommes jouent plus que les femmes. C'est plus de rôle. Tu te sens-tu encouragé dans la vie ou c'est au jour le jour? Oui. Au jour le jour. OK. Hey, Catherine, auriez-vous aimé ça être découverte? Découvert. On vous revient après la pause. Avec la femme, Catherine Trudeau. Catherine, la femme. Elle me croyait pas. Mais non. Fait que... Oh! Bon, on va parler de la femme. Oui. Catherine Trudeau, la femme, maintenant. Catherine Trudeau... C'est toi, ça. Oui. T'as déjà dit... Rien n'arrive pour rien. Absolument. Je crois encore à ça. Okay. Ça arrive quand? Ben non, rien... Ben pour moi, rien n'arrive pour rien. Ça veut dire que s'il y a des choses, c'est une façon plus possible de voir les choses. En fait, excuse-moi. Excuse-moi. Catherine Trudeau. J'aime ça quand vous dites mon... Vous aimez ça dire mon nom au complet? Mais vous pouvez juste dire Catherine. Vous pouvez parler pendant qu'il pose la question. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Catherine Trudeau. En tant que femme, là, est-ce que c'est tough de voir les autres réussir pendant qu'on brette? Ouais. Ça n'a pas parti du jour au lendemain, votre carrière. Heureusement, je n'ai pas bretté. Quand même. Ben quand non, même mais là, rapidement. Quand même, là, je vous disais, c'est pas votre naissance, là, vous avez commencé non, à jouer. Non, non, mais ça fait 9 ans que je suis sortie de l'école de théâtre. Assez rapidement, j'ai commencé à faire du théâtre, de la télé. Ben non, mais là. Oh, oui, assez rapidement, je vous le dis. À quel âge vous êtes sortie de l'école? À 24 ans. Ben, c'est tard. Ça commence, c'est tard. Il y en a qui commencent à 16 ans. Leonardo DiCaprio, Vu de ce point de vue, je comprends. Il commence à 8 ans. As-tu déjà giflé quelqu'un ou eu des réflexes de ce genre? Pour le jouer, oui. Non, on parle de la femme. Oui. Dans la vie, on l'a dit tantôt. Excusez-moi. Oui, ça m'est arrivé. OK. Ben oui. C'est... Comment j'ai écrit ça? Vous trouvez pas ça étonnant que ça lève pas plus votre affaire? Vous jouez juste dans des films québécois. C'est-à-dire Aurore, Séraphin, Le Survenant. Bon, tu sais, un bon film français. Ah, c'est sûr que ce serait agréable, mais j'ai pas d'ambition internationale, non. Non, Ton chum, il travaille au TNN? Ah, plus maintenant. Il a fini? Il travaille... Fait éclairer? Non, il travaille ailleurs. Il est en rue? Non. Travaille à l'opéra. Ailleurs. Ça va quand même. Ouais. Très bien. OK. Mais t'as-tu déjà montré des techniques? Parce qu'il est directeur technique, vous pouvez dire? Des techniques. Des techniques? Ouais.
Pas particulièrement, non. Ouais. Tu sais, t'aimes ça, les techniques? Vous savez pas dans quel domaine? J'ai lu. Peux-tu sortir là-dessus une phrase? La technique? Ouais. Ouais. Oh, regarde, ça vole partout. J'aime la technique de Guylain de se, okay. de se couper les ongles. Merci de parler de ça en ondes. C'est assez visible. Écoutez, j'ai lu là-dedans que vous peignez à l'aquarelle. Oui, oui. Bon, faites-vous du clown? Non. Non, je ne suis pas clown. Non. OK. Mais non. Est-ce que vous excusez beaucoup oui. en général? Ah oui. OK. À quel moment, là? Quand je parle trop, quand je... Quand je coupe les gens, quand... Il y a un ongle dans le verre d'eau. Entends-tu tomber dedans? Bien, continue, là. Tes spectateurs t'écoutent, anyway. Ah oui, oui. Pourquoi je m'excuse? Bien, quand je sens que je dérange, je m'excuse d'habitude. Le dernier reproche que votre mère vous a fait... 30 secondes. Vite de même, là, je pense à rien, non. Ouais. As-tu souvent faim et soif? Oui, particulièrement par les faim temps qui courent. Faim des Doritos. Ouais. Et soif des chips de... d'eau. Tu réponds du tac au tac. Ah, ouais. Total. Tu dors des caprices, toi? Non, pas particulièrement. Ouais. Des manies? Oui. Je me ronge les ongles. Okay. Des façons? C'est fini. Non, attends, pas j'avais une dernière, là. Quel genre de grand-mère tu vas être? Ouais, tu vas être un jour. Gâteau. Vraiment gâteau. On va gâter les enfants. Hein. Ah, c'était... Ouais, réussi. Catherine. C'était Catherine. Je pense que c'est assez. C'était correct, hein? On lève notre verre à ça. Compris. Ah oui. Merci. 9.5 9.5